Bonjour. Merci Francis pour cet élogieux petit parcours. C'est un honneur pour nous de participer aux entretiens de Chaillot parce que c'est un peu une référence dans le domaine de l'architecture et de la circulation des idées et des concepts. Donc on est très honorés d'être ici ce soir. En préambule, pour éclairer notre présentation, on va commencer. Il y a deux choses importantes. Francis en a parlé tout de suite, à l'instant. La première, c'est qu'on a tout de suite commencé dans notre parcours d'architecte à construire. On est très vite passé de la conception à la réalisation, puisque l'agence a été construite en 2008, que nous, notre premier bâtiment a été livré en 2009, donc il n'y a pas eu beaucoup de temps, qui était donc le fameux boulodrome de Meaux qui a donné lieu au prix de la première œuvre. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça a développé chez nous un rapport au réel, à la réalité construite qui a certainement joué sur les projets qui ont suivi. La deuxième chose assez importante pour nous aussi et qui nous continue de nous construire, c'est que nous avons travaillé sur des projets qui ont des programmes très différents, et ce, dès le début, c'est une chance, c'est ce qu'on veut, et des projets comme des logements, du tertiaire, de l'enseignement, une gare du Grand Paris, un pôle logistique, enfin, voilà, des sujets qui vraiment font émerger des problématiques très différentes, hein, soulèvent des univers qui sont aussi riches les uns que les autres, et pour nous, ça, c'est très important, parce que dans l'agence, les différentes équipes qui travaillent sur ces différentes programmations profitent de ces programmes. Et du coup, ça nous permet de travailler en agence comme un système dans lequel s'interfèrent les différentes notions, dans lequel s'interfèrent les différents apprentissages que l'on a au fur et à mesure des projets et de leur fabrication au fur et à mesure. Donc parmi ces systèmes, on s'est livré à un exercice ce soir qu'on n'avait pas encore trop fait. On va pas vous présenter les projets les uns après les autres, mais on fait un espèce de parcours transversale à travers les projets, à travers quatre thèmes qu'on a identifiés, qui sont des thèmes qui reviennent régulièrement dans nos projets depuis quelques années, qui sont nos thèmes du moment. Dans deux ans, ce sera peut-être et sûrement des thèmes différents. Le premier s'appelle écosystème, c'est sur le rapprochement du monde et du bâti. Le deuxième s'appelle paysage habité, c'est l'interaction et le rayonnement d'un bâtiment qui dialogue avec son environnement. Le troisième s'appellera surface d'échange. Il évoque plus l'enveloppe et l'enveloppe comme une peau active qui stimule les usages et les perceptions. Et le quatrième se nomme lisière et celui-ci fait plus appel au domaine écologique. On l'imagine comme un milieu enrichi qui fait émerger de nouvelles pratiques. Donc, le premier thème écosystème part de l'idée qu'on a toujours eu l'habitude de séparer le vivant et le bâti, que malgré la densification des villes et des réflexions poussées sur le réaménagement des espaces verts, tous les projets ont encore en commun aujourd'hui la fracture entre nature et bâti. Et l'idée que nous portons depuis quelques années déjà, c'est qu'à travers le fait qu'on est de plus en plus nombreux à habiter les villes, qu'en 2050, peut-être que les deux tiers de la planète habiteront les villes, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aujourd'hui à mener sur la place de la nature en ville, sur son statut et sur le lien de dépendance qu'entretient la ville par rapport à la campagne, puisque c'est la campagne qu'on cultive, à la ville on consomme. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas à revoir tout ce lien en introduisant, en fusionnant, faut construire une nouvelle histoire en ce début du XXIe siècle autour de la végétation et de l'agriculture et du vivant qui viendrait coloniser la ville. En tout cas, c'est ce que l'on porte. Et il y a aussi une autre dimension, c'est le rapprochement, parce qu'il y a la dimension du lien ville-campagne, mais il y a aussi la dimension du riverain avec son environnement. Et comment est-ce qu'on pourrait essayer, et on a essayé de le faire sur certains projets, de rapprocher le monde du vivant le plus près possible, dans un rapport presque intime avec la nature. On va vous présenter un premier projet, qui est un projet qui a été livré en 2014, qui est une école. Et c'est vrai que l'école, c'est vraiment le programme où est possible cette synergie entre éducation, poésie et nature. C'est vraiment quelque chose
qui est très très porteur justement sur ce système, sur ce principe d'écosystème, où vous allez voir que la végétalisation, à la fois c'est intéressant d'un point de vue environnemental, mais c'est un petit peu plus pour nous. Il faut imaginer que ce projet, cette école, c'est une école maternelle, primaire, et avec un gymnase, on nous a demandé, au moment du concours, d'installer une prairie dessus, puisque le quartier du Trapèze était tellement dense qu'il n'y avait pas de place pour faire un espace vert. Donc finalement, déjà dans la programmation, il fallait superposer un morceau de nature avec un morceau de bâtiment. Donc là, on s'est posé la question, voilà, comment est-ce qu'on fabrique ça ? Comment est-ce qu'on réfléchit ? Et donc, ça a été un petit peu plus loin tout de suite un déclic en disant que cette école était avant tout une expérience spatiale, plus que d'abord cette idée de végétalisation et de travail sur la biodiversité. Une vraie expérience spatiale où les deux écoles s'entremêlent, c'est-à-dire qu'avec la partie au rez-de-chaussée où on trouverait la cour de l'école maternelle, à l'étage la cour de l'école primaire, comme ça, comme des espèces de grandes courbes de niveau, comme un morceau de paysage finalement dans lequel on viendrait avoir plusieurs programmes. Le programme de l'école, le programme du gymnase et le programme de la biodiversité et de la végétalisation. Et ce qui est intéressant, justement, c'est cette superposition de programmes et de se dire que finalement, comment est-ce que travailler avec le végétal, en tout cas à cet endroit-là, est un peu plus qu'un simple attrait environnemental. Je le rappelle quand même, l'absorption des eaux de pluie, la réduction des îlots de chaleur, tout un travail aussi sur la pollution, le CO2. Donc bon, voilà, on connaît tous l'intérêt de l'approche écologique de la végétalisation. Ce qui nous intéresse aussi là, c'est son apport social. Où finalement, depuis les cours hautes des écoles, on peut grimper par un petit chemin, comme sur un toit, on peut grimper et arriver là-haut sur un toit. Donc finalement, chaque mètre carré de cette toiture est praticable. Ça, c'est aussi quelque chose dont on reparlera tout à l'heure. La permissivité qu'on peut mettre à l'intérieur d'un bâtiment. Et finalement, le travail sur la végétalisation permet à un moment de redonner une liberté d'usage au bâtiment. Donc là, vous voyez des enfants qui sont sur le toit d'une école, qui viennent de sortir de la cour, qui vont faire une expérimentation, qui montent là-haut travailler avec un poulailler, avec un petit potager. C'est des choses simples qui paraissent peut-être aujourd'hui très, très... très, 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 très galvaudé, mais qui finalement ont eu un écho très puissant dans cette cour. Là, il faut imaginer qu'on est sur le toit de l'école, avec 1,50 m de terre, et sous ce toit, il y a ce gymnase. Donc c'est quand même aussi intéressant de se dire, finalement, c'est pratiquement une superposition de programmes. Je suis dans deux mondes qui sont radicalement différents. Un programme quand même de gymnase de type régional, donc avec certaines normes assez précises. Donc, juste pour aller un petit peu plus loin, voilà, un véritable monde et un véritable programme supplémentaire, un outil pédagogique qu'on livre à l'école. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est que l'équipe pédagogique s'est complètement appropriée cet outil, puisque ça s'appelle l'école des sciences et de la biodiversité. Les enfants font des herbiers et se sont approprier cette végétalisation, ce programme en plus, comme un véritable outil pédagogique. Alors, de cette expérience très concrète, on a eu envie d'imaginer un outil réglementaire qui pourrait favoriser l'implantation de la biodiversité en ville. Le COS est mort, vive le COB. Le coefficient d'occupation des sols a disparu depuis quelques années. C'était un peu un clin d'œil au moment de réinventer Paris où on a imaginé cette proposition. Et en se disant qu'à l'image du coefficient d'occupation des sols, on pouvait établir par un système de calcul simple un coefficient d'occupation de la biodiversité qui serait le rapport entre la surface végétalisée et la surface de la parcelle. À l'état naturel, il serait de 1. Mais par contre, lorsqu'on vient construire sur la parcelle, ce rapport diminue évidemment et donc le coefficient d'occupation de la biodiversité devient inférieur. Ici, 0,2 par exemple. Mais par contre, on pourrait imaginer que notre système de calcul prend en compte toutes les surfaces, les toitures, les terrasses, les balcons, les corniches, les murs. Et donc on pourrait imaginer que ce rapport puisse être à l'identique entre une parcelle vierge et une parcelle construite si on arrive à faire occuper la biodiversité par
tout système de surface. Et en continuant, en filant un peu le puisqu'on est dans des systèmes très normés en ce moment avec des certifications très réglementaires, qu'il pourrait y avoir un coefficient qui accueille une certification avec plus ou moins de vertus. Et en continuant sur dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, parce que là pour l'instant on le propose sur un bâtiment neuf, le coefficient d'occupation et la biodiversité, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut aussi s'appliquer sur tous les délaissés qu'on trouve dans le milieu urbain. À Paris, on sait qu'il y en a énormément. Les murs inconstructibles, des corniches, des toits terrasses qui sont stériles, etc. Et donc, on pourrait imaginer, en travaillant à des micro-échelles sur ces délaissés, un pari en 2017 sur la première, un pari en 2025 et encore 25 ans après, un espèce de persillage comme ça de Paris qui pourrait, en fonction des différentes zones carencées en espace vert, on pourrait retrouver un rééquilibrage comme ça sur l'ensemble de la ville. C'est donc l'image qu'on avait fait pour le Réinventer Paris au Ordinaire, où ce mur, qui est un mur donc inconstructible, accueille une structure tridimensionnelle et un jardin vertical qui accueille donc, on est dans un milieu très dense, tous les espaces verts de tous les logements, dans un rapprochement justement très intime qui est tissé entre habitants et vivants. Juste sur un autre sujet sur Réinventer Paris qu'on a fait avec Jacques Ferrier, l'îlot ici, l'îlot Terne, qui était un îlot mixte, logement, bureau, c'est un COB 1. Voilà. Donc c'est un exemple de ce que est le COB 1. Aujourd'hui, on est en permis de construire, on commence la phase APD, donc c'est un projet qui va se réaliser avec un maître d'ouvrage exigeant BNP qui compte tout. Donc je pense que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, on est en capacité de le réaliser. D'abord, c'était quand même un projet urbain. C'est intéressant de voir qu'on couvre le périphérique à cet endroit-là. Et nous, notre vision avec Jacques et avec toute l'équipe, ça a été de se dire, pour couvrir le périphérique, pour lier Paris et le Grand Paris, pour lier Paris à Neuilly, c'est pas forcément un gros objet qu'il faut faire, mais c'est continuer le tissu et c'est fabriquer quelque chose qui soit un morceau de quartier. Et donc, il est complémentaire sûrement avec le mille arbres à côté, mais le concept était plutôt de se référer à des systèmes urbains comme les HBM pour avant tout proposer une continuité urbaine entre les deux. Comment on franchit un périphérique? Vous allez voir, la question, c'est soit une dalle, hein, comme vous avez à Batignolles, à Paris-Rive-Gauche, soit souvent un bâtiment-pont. Ce qu'on a essayé de fabriquer aujourd'hui, c'est de se dire on pourrait franchir le périphérique avec une épaisseur. Et vous allez voir que épaisseur, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, que ce soit dans les façades, dans les sols, de se dire que c'est une épaisseur programmée, dans le sens où vous mettez la structure dans cette épaisseur, vous mettez comme une poutre, vous mettez une épaisseur, mais alors à l'intérieur de ça, vous pouvez mettre des programmes, vous pouvez mettre des parkings, vous pouvez mettre de l'épaisseur de terre, justement, et du coup, vous allez avoir une richesse qui va se développer juste par la manière de franchir un périphérique. Et tout ce qui se passe au-dessus, finalement, pour le coup, c'est en ossature bois, et on peut très bien se dire que d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, on en met un autre. Voilà, l'intérêt, c'est de fabriquer cette liaison, qui était aussi, du coup, on a travaillé avec des paysagistes qui s'appellent SLA, des paysagistes danois, et qui ont travaillé, du coup, cette épaisseur en se disant que le franchissement du périphérique à cet endroit-là, c'est un petit paysage, c'est un square. Je traverse un square dans son épaisseur. Évidemment, on a travaillé aussi avec tout cet arsenal aujourd'hui, qui est un petit peu... dont on parle beaucoup sur l'agriculture urbaine, sur occuper les toits, mais ce dont vous avez parlé tout à l'heure, Pascal, sur notre manière de pousser et de construire, puisqu'on est à une quinzaine de bâtiments réalisés aujourd'hui, c'est que ce que je vous montre là, je pense qu'on sait le faire et qu'on peut y arriver avec, avec justement les éléments qu'on est en train d'installer, avec une des premières cultures de thé sur le toit, voilà, qui a été installée. Donc au-delà, donc, voilà une superposition de programmes, un bâtiment de bureau, un bâtiment de logement, un restaurant, une partie dégustation de thé et une culture urbaine de thé sur le toit. Ce système, encore une fois, ce bâtiment, pour montrer un petit peu sa capacité aussi environnementale, c'est aussi un système de filtration des eaux de pluie qui, en tombant sur la toiture,
vont évidemment irriguer quelques cultures, vont descendre de sur chacun des espaces, notamment que concerne avec les logements, et vont retomber dans la partie basse pour irriguer le jardin avec un système de pompe qui le remet. Donc on pense aujourd'hui qu'on peut réussir à avoir zéro infiltration et à conserver l'intégralité des eaux de pluie sur le projet. Pour aller assez vite, on montre un petit peu ces logements qui viennent être complètement vitrés, très ouverts, avec cette jardinière qui vient dedans, en liaison, en interface entre le logement et l'extérieur, cette jardinière filtre qui viendra avec des systèmes de chaînettes faire descendre l'eau d'étage à étage, dont l'épaisseur varie en fonction de la pièce qui est derrière, en fonction d'un salon ou d'une chambre. On a plus ou moins d'espace, on imagine, et puis on est plus ou moins protégé. Et du coup, l'idée aussi, c'était de recréer d'un paysage à une grande échelle, un paysage à une échelle beaucoup plus petite, beaucoup plus domestique, beaucoup plus privée à cet endroit-là. Du coup, ce qu'on a vu, c'est que c'est un morceau de ville, finalement, ce qu'on est en train de fabriquer ici. C'est un îlot. Hein, c'est deux bâtiments, une interaction entre des logements, des bureaux, un restaurant, des commerces, une école horticole. C'est un îlot. Donc un îlot, un morceau de ville, c'est le lieu habité par excellence. Mais ce qu'on vient de voir, c'est que c'est aussi un paysage. C'est-à-dire que c'est aussi porteur d'un paysage à la fois minéral et végétal. Donc finalement, c'est pratiquement un paysage habité. Et c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est que c'est à partir de la volonté qu'on a souvent d'imaginer la ville comme vaste milieu vivant. Et c'est ça qui nous intéresse dans le mot vivant. C'est-à-dire que c'est les hommes, c'est la végétation, c'est l'ensemble des choses qui permet aujourd'hui à un moment de plus compartimenter forcément tout et d'avoir un espèce de vivre ensemble à l'intérieur. Donc à partir d'une volonté d'imaginer la ville comme un vaste milieu vivant, c'est chercher une relation d'interaction forte du bâtiment avec le contexte du paysage urbain. Et on pourrait même dire qu'à partir d'une certaine échelle, un bâtiment peut pratiquement s'envisager comme une partie de ville et notamment une partie de géographie. Et donc, pratiquement, enfin, en considérant, vous allez voir, Pascal va vous montrer le projet suivant, comme partie d'une sédimentation en cours, il rajoute au paysage urbain une couche supplémentaire. C'est comme une partie de paysage habité. Alors peut-être une manière plus facile de comprendre ce que c'est qu'un paysage habité. Ce qu'on entend en tout cas par un paysage habité, c'est de le comprendre par rapport à son environnement et donc qui est souvent lié au grand paysage et donc souvent lié à l'infrastructure. C'est dans cet esprit qu'on a conçu le projet Tafanel, le projet des entrepôts Tafanel, qui sont ceinturés par la rue d'Aubervilliers ici, le jardin Éole en fond, et puis les voies de chemin de fer qui mènent à la gare de l'Est. C'est un projet qu'on appelait un espèce de paysage artificiel qui prolonge d'ailleurs le jardin Éole, mais d'une manière artificielle, enfin d'une manière solide, on va dire, et pas végétale. Et en travaillant comme ça sur une grande nappe plissée qui forme une succession de chaînes avec des directions qui changent. Ces chaînes ont un sens par rapport à l'histoire aussi patrimoniale du quartier. Ils sont une vraie figure de l'architecture industrielle du 18e arrondissement. Mais ils ont aussi un rôle acoustique très fort, puisque on expliquera après, mais il y a beaucoup de bruit, de nuisance acoustique liée à ce bâtiment, récupération des eaux qui rendent autonome le bâtiment, etc. Donc il y a tout un ensemble de facteurs qui font que ce bâtiment a cette espèce de grande nappe comme ça plissée. L'intérieur du bâtiment, qu'est-ce que c'est en fait les entrepôts Tafanel ? C'est un entrepôt de logistique qui redistribue les boissons aux brasseries parisiennes. Donc tous les matins, il y a 200 camions qui partent des entrepôts et qui viennent irriguer les brasseries avec un système de tri de bouteilles au premier étage, un système de stockage. Et ce qui est aussi très intéressant de savoir, c'est que cet entrepôt est alimenté par le fer. Et donc il y a un train tous les 3 jours qui vient amener les boissons, etc. Donc il y a vraiment la logique du dernier kilomètre, elle est vraiment très intéressante dans ce projet-là. Et elle pose aussi toutes les questions qui émergent beaucoup en ce moment sur quelle est la place d'un équipement, d'un pôle logistique en milieu urbain. Et faut-il les rappeler ? Enfin voilà, comment est-ce qu'on questionne un peu ce sujet-là ? Côté rue, on a la rue d'Aubervilliers est très longue, la façade fait 450 mètres de long, c'est
très long pour Paris, une façade sans commerce, sans logement, etc. Donc comment est-ce qu'on traite une façade aussi longue? Ben là, en plus, elle est en vis-à-vis d'un existant. Elle est alignée, on a un alignement. Donc on a travaillé sur la stratification urbaine, qui est en fait, à partir de ce mur existant en moellon qui fait donc 450 mètres, qui appartient à la SNCF et que l'on a dû garder, on vient se toucher sans se poser sur ce mur avec plusieurs strates. On a d'abord de la réglite, du verre armé qui permet d'éclairer naturellement les locaux qui sont derrière, parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière, il y a des quais de déchargement, on l'a vu, il y a des salles de tri. Et puis ensuite, travailler avec un aluminium anodisé, partiellement perforé, qui permet de travailler la réflexion de cette rue qui est quasiment une demi-rue et de lui redonner une épaisseur. C'est-à-dire que quand les arbres sont au printemps, on a du vert. Quand il fait, on va le voir sur les images suivantes, on a comme ça un système d'ombre et une façade qui devient extrêmement vivante et extrêmement changeante. Juste, petit point sur le... On voit des visages là, donc on a utilisé ce mur... en moellon, comme aussi un support d'art urbain. On a travaillé avec le 104 qui est donc en face, de manière à ce que les riverains puissent aussi s'approprier cette façade qui est extrêmement longue, puissent la faire vivre, puissent la modifier, un peu comme si ça devient un support d'art urbain. On peut même dire, du coup, ce qu'on voit quand même dans ce bâtiment-là, c'est qu'on n'est plus dans le langage du bâtiment. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut sur quelque chose qui fait 450 mètres de long, avec une répétitivité aussi importante. On est vraiment passé dans la question au-delà d'un paysage, d'un morceau de paysage urbain, un paysage programmé par quelque chose. Et du coup, c'est intéressant de voir que là, pour le coup, il n'y a pas un pet de végétalisation, parce que la société Tafanel ne voulait absolument pas s'embêter avec l'entretien d'une toiture végétalisée. Donc le paysage, ce n'est pas forcément en lien aussi avec... avec cette végétalisation. Un paysage minéral, voilà. Une géographie. Et donc on a une succession de chaînes comme ça qui vient accompagner la rue qui tourne, et à cet endroit le pont même, avec cette lanterne urbaine. Et la réglite a aussi un sens à cet endroit-là, c'est qu'elle fait vivre le bâtiment même à des horaires où normalement tout est clos et tout est fermé. Et du coup il y a comme ça, si tu passes la suivante, une transparence qui devient visible et qui laisse percevoir pour les riverains qu'il y a une activité derrière ce bâtiment. Donc ce projet fonctionne en interaction vraiment avec l'infrastructure. Et si on fait le tour du projet et qu'on se met côté rail, on a travaillé sur justement cette forme de shed et comment ces sheds sont en décalé pour créer un effet cinétique depuis le chemin de fer. Et d'assumer aussi le côté ultra fonctionnel de ce côté-là du projet, face aux rues. Et c'est ce qui différencie aussi pas mal ce projet du suivant qui va être présenté, que Frédéric va vous montrer, qui sont les bureaux à Batignolles, où on a un rapport tout à fait différent avec le fer, mais très important aussi. En fait, là, du coup, c'est un bâtiment qu'on a juste en préambule pour Emmerich, qui est avec un utilisateur qui est Cardiff, un bâtiment de bureau dans la ZAC Paris-Batignolles qu'on a réalisé avec l'agence Brenac-Gonzalez. C'est un projet qui, du coup, a une façade rail. Alors, une façade rail, en préambule, d'abord, c'est des nuisances. Hein. C'est des nuisances, c'est quelque chose qui va amener forcément quelque chose de négatif. Et donc, on a vraiment travaillé d'abord à orienter le bâtiment sur cette chance qui est ce grand paysage et donc un rapport avec cette infrastructure qui sont les rails. Finalement, pratiquement comme une coupe géologique. Hein. On est dans une espèce d'accident morphologique de l'anthropocène, si on voulait dire des choses un petit peu compliqué, mais qui finalement se voit assez bien, puisqu'on a le vrai sol ici, les trains qui passent, la dalle SNCF, le bâtiment au-dessus, donc on est vraiment dans une espèce de grande coupe comme ça, avec un bâtiment très très simple, avec des bandeaux horizontaux, et on avait un accident de la parcelle à cet endroit-là, comme un froissement, ce qui nous a permis on a d'abord travaillé sur ce côté-là, sur la question d'un espace, extérieur, un espace de circulation verticale dans le bâtiment, qui peuvent être des pauses, qui peuvent être un endroit où les gens vont changer d'étage, vont fumer une cigarette, vont échanger, vont discuter, en passant par l'extérieur et en ayant un rapport direct avec ce paysage qui est les voies ferrées à cet endroit-là. Donc il y a une espèce d'enchevêtrement d'escaliers, qui sont des escaliers de secours, hein, mais qui peuvent être utilisés pour passer de cet étage-là à cet étage-là. On a essayé on a travaillé ici, donc ça vient d'être fini là, ce sont les premières images qui viennent de sortir,
Du coup, avec aussi tout un système de jardin vertical à cet endroit-là qui est en train de pousser. Ce qui est intéressant, c'est que cet escalier vient se poser, vient traverser le bâtiment et vient rentrer à l'intérieur du hall en faisant la liaison entre la partie voie ferrée et la rue. Avec toujours cette matérialité, c'est une terre cuite vernissée, cette façade. C'était aussi un petit écho à l'histoire de ce que sont les bâtiments industriels le long des voies ferrées, c'est-à-dire structure métallique et terre cuite, réinterprétée peut-être de manière un peu plus contemporaine. Et donc on a fait le tour, on était derrière, sur les voies, là je suis sur la rue, on est rentré, et là on a toujours ce système comme des grands rubans, comme des courbes de niveau, comme une sorte de petite géographie qui vient à un moment se déformer, créer des loges, des espaces hauts, des espaces extérieurs attenant au bureau. La peau vient se déformer, vient trouver une épaisseur, des terrasses qui viennent se positionner. Et donc, comme ça, comme un bâtiment, comme véritablement une petite géographie à cet endroit-là, qui est à la fois la vue sur les rails et la façade côté rue. Si on rentre à l'intérieur, il faut préciser quand même que c'est un bâtiment qui n'a pas de climatisation, bâtiment de bureau sans climatisation. Donc toutes les fenêtres s'ouvrent, y compris sur les rails, avec une dalle béton avec un fonctionnement dalle thermique qui permet de faire circuler de l'eau à température et un système, je ne vais pas m'étendre dessus pour cette conférence, mais un système de ventilation qui permet de rafraîchir l'air. On a aussi du coup à chaque fois voilà, un petit zoom sur un des espaces extérieurs quand on sort à l'intérieur du bureau et cette espèce de grande géographie qui vient se dilater, ouvrir des grandes terrasses de part et d'autre de la rue. Le collège, c'est un collège qu'on a livré à Lille il y a deux ans, qui a été inauguré par Martine Aubry. C'était très sympathique. Cette image, elle illustre parfaitement le nœud infrastructurel dans lequel ce collège a été programmé. On a le boulevard d'Arras ici qui est une quatre voies hyper bruyante, très polluée, un petit truc quartier qui sort d'ici, on est dans le quartier Moulin, c'est un quartier très ouvrier dans le sud de Lille, et puis ce métro aérien qui longe l'une des trois façades du bâtiment. Là, on est depuis le métro, donc un petit champ contre champ. On est depuis le métro, et effectivement, on a choisi d'ouvrir le collège sur la ville, c'est-à-dire à l'endroit où il pouvait y avoir des perceptions visuelles, à l'endroit où le métro pouvait avoir une perception du collège. Je veux dire, on a descendu volontairement la toiture en travaillant les masses, parce que c'est un programme dans lequel il y a beaucoup de choses, il y a du sport, il y a de l'internat, il y a des salles de tennis de table, évidemment, des salles de classe. Là, si on fait un tour, un léger travelling sur la gauche, on aperçoit donc le métro et la perception et la manière avec laquelle les programmes soulèvent les toitures qui sont enveloppées dans une grande nappe en zinc prépatiné rouge avec cet anneau vert qui ceinture la cour de récréation. Un petit cadrage avec un rapport à l'existant, puisque l'idée d'une cour de récréation, c'est de ne pas être trop enfermé, donc d'avoir le plus possible de cadrage sur la ville, de manière à ce que les élèves puissent se situer aussi dans le bâtiment le plus souvent possible, et d'avoir comme ça ces grandes toitures dans lesquelles des césures se forment et fabriquent les programmes, sont la source de lumière naturelle des programmes qui sont en dessous. Ici, on a une salle d'orchestre qui se trouve à l'angle, et puis le gymnase qui est en structure bois. Donc c'est vraiment, encore une fois, cette toiture comme une espèce de grand paysage, à la fois qui vient... réagir à l'environnement urbain en faisant des quatrages, en s'abaissant là où il faut, et qui vient en même temps se soulever pour assurer la diversité de sa programmation. Donc comment l'appeler autrement qu'une espèce de mouvement de topographie d'une immense toiture en zinc ? Et sur cette image, on aperçoit aussi, on est donc sur le boulevard d'Arras, lieu très, très urbain, où on ne le voit pas très très bien, mais en réalité, on a une perception à travers deux vitrages de la cour de récréation. Et ça aussi, c'est encore une idée qu'on se fait
de l'enseignement qui doit être un minimum, le collège est étanche sur l'espace public, mais d'avoir tout le temps une perception de la ville, de l'espace urbain, de l'endroit dans lequel le collège est implanté. Il n'est pas dans un champ de betteraves, on est en pleine ville, un moulin, en pleine ville dans un quartier très dense. Et donc pour nous, c'est vraiment intéressant qu'il y ait cette interaction constante. Et c'est aussi une manière, parce qu'on n'a pas parlé des trois échelles, mais il y a plusieurs échelles auxquelles ce bâtiment s'adresse, les émergences, le métro et puis l'échelle du piéton. Et il est intéressant pour nous que le piéton aussi puisse avoir un rapport direct avec l'équipement et comment cet équipement, à un moment, vient s'ancrer, puisqu'on est dans les paysages habités, comment cet équipement vient s'accrocher au sol et s'enraciner sur ce sol. C'est un travail qu'on développe aussi sur un campus de bureau au Touzé, à Saint-Ouen, dans lequel on essaye justement de développer une interaction très forte entre le paysage que l'on peut voir, voilà, le paysage des patios qui sont ici, et l'architecture d'intérieur, et comment progressivement on essaye de faire disparaître les limites dans les rez-de-chaussée du bâtiment et de faire rentrer le paysage et se faire croiser ces deux univers. C'est en cours. Forcément, entre la liaison entre du coup ces paysages, ces bâtiments qu'on vient créer et l'extérieur, il y a quelque chose qui est très important, c'est cette surface d'échange, c'est-à-dire la peau, l'enveloppe extérieure du bâtiment, comme la liaison de matérialité avec le bâtiment environnant. Donc on a vu, par exemple, l'île, la manière dont on pourrait imaginer que cette peau se soulevant, le matériau le plus simple qui nous est venu à l'idée, c'est celui qui pouvait être à la fois horizontal et vertical. Il n'y en a pas 50, c'est du zinc. La couleur aussi, référence à la brique. En fait, donc cette peau du bâtiment, c'est vraiment sa matérialité, sa relation avec son espace extérieur. C'est, pour nous, c'est la cohérence et l'identité des projets qui sont donnés par cette surface d'échange. En général, on a un matériau par projet. On prend ce matériau, on le traite avec tous les détails possibles et imaginables, et on vient accompagner la forme. Et c'est vraiment l'expression du bâtiment très très forte avec son environnement. C'est aussi par cette utilisation et cet essai de ne pas avoir de composition, absence de composition de la façade, sortir de l'idée que la façade, c'est un tableau en deux dimensions, mais c'est vraiment une peau qui épouse le bâtiment et qui en épouse ses dynamiques, ses complexités. Atafanel, par exemple, la nuit, elle vient devenir transparente alors que le jour, elle est réfléchissante. Elle vient raconter l'histoire dont on a besoin. Mais en dehors de cette matérialité, sur certains projets, là, c'est une école qu'on a livrée à Fresnes en 2013, on a travaillé par exemple une clôture, toute la clôture de ce bâtiment, qui est une clôture en béton fibré. Et du coup, cette peau, cette façade à cet endroit-là, elle vient prendre une fonction supérieure, qui est une fonction de filtre, qui est une fonction de surface d'échange entre la partie publique et l'école elle-même. Ce qu'on voit pas très bien ici, c'est qu'on a des petits visages qui sont incrustés dedans. Le pattern avait été destiné par le studio Joran Briand. Et du coup, quelque chose qui est entre la façade et la clôture, avec vraiment du coup une nature un petit peu différente. Sur Batignolles, alors ce qui nous intéresse, c'est qu'à un moment où on va chercher de l'épaisseur. C'est-à-dire que cette façade, dès qu'on l'épaissit un petit peu, dès qu'on lui donne de la profondeur, alors on a des espaces extérieurs, par exemple, comme sur Batignolles, où on a, et c'est tous ces escaliers et ces espaces, en plus, dès que la peau vient à obtenir une épaisseur supplémentaire. Dans une résidence étudiante à Évry, Pascal vous présentera tout à l'heure, cette épaisseur de peau, cette finesse de métal, vient donner un espace supplémentaire aux studios, qui sont un espace qui prolonge le logement, qui sont aussi un filtre solaire, et qui sont des espaces aussi qui viennent intimiser le logement. Un peu plus grand, dans un de nos premiers projets livrés de logements à Arcueil, ça devient tout de suite une loggia, un espace, vraiment une pièce en plus à la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Et cette école d'Ivry aussi, tout d'un coup, cette peau en s'épaississant encore plus, va fabriquer des systèmes qui, par exemple, sont des systèmes de brise-soleil avec de la végétalisation qui, grimpant dessus, vont permettre en hiver de laisser passer la lumière, en été évidemment de la briser. On vous racontera ça un petit peu plus en avant tout à l'heure. Mais du coup, dès qu'on donne de l'épaisseur, dès qu'on donne du corps à une façade, et ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi de plus en plus, on y ajoute des usages, que ce soit des usages des propres, comme un balcon filant, comme une épaisseur habitée de la façade, ou des usages bien différents, comme avec un petit retour sur l'école de Boulogne,
puisque je vous ai beaucoup parlé de la toiture, je vous ai beaucoup parlé de cette surface qui est utilisée par les enfants, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toute la façade de l'école est une croûte de blocs de béton empilés à la manière de briques les unes à côté des autres qui sont un milieu d'accueil de la biodiversité. On a travaillé avec un bureau d'études très spécialisé qui s'appelle Biodiversita, Aurélien Huguet, et avec lequel on a pu justement travailler le possible, puisque la profondeur, tout ce que vous voyez qui sont les plantes, ont forcément au moins un négatif à l'intérieur. C'est ce qu'il appelle un peu pompeusement la biodiversité cryptique, mais qui se comprend assez bien quand on regarde cette coupe en se disant qu'il faut absolument une profondeur, il faut des endroits où l'humidité peut rester, parce qu'il n'y a absolument aucun arrosage automatique sur ce mur, hein, le but étant de travailler des choses beaucoup plus spontanées. Du coup, cette profondeur prend un endroit ce sens, vient aussi travailler une sorte de ciselage de ces blocs comme un chemin de l'eau, puisque l'eau, il va falloir l'économiser, comme il n'y en a pas beaucoup. Donc comme vous savez, ces jeux d'enfants sur lesquels les billes descendent d'un toboggan à un autre, on va pouvoir petit à petit irriguer ce mur. Et évidemment, on va pouvoir aussi, sur cette épaisseur, inscrire à peu près 200 nichoirs avec des dimensions très précises. Donc voilà, les habitants de cette école seraient aussi des oiseaux. Et il n'y a pas si longtemps, certains commencent à fonctionner avec quelques oiseaux qui viennent s'installer, dont on voit un petit détail. Donc finalement, cette profondeur dont je vous parlais tout à l'heure, elle est toujours génératrice d'usages différents et de colonisation, soit par les gens, soit par la végétalisation, en tout cas par le vivant, de l'intérêt de cette peau d'un bâtiment. Petite digression sur la gare de la Courneuve, la gare du Grand Paris qu'on est en train de fabriquer, puisque juste un petit parallèle sur cette surface d'échange, du coup en revenant beaucoup plus, sur cette grande voûte en briques qu'on espère de récupération, qu'on essaie de fabriquer, cette grande voûte en briques qui concentre dans cet appareillage de Padres Boutis la gestion de l'éclairage, la gestion de l'acoustique. Donc finalement, elle devient aussi, en quelque sorte, un système qui vient générer un petit peu toutes les demandes qui sont extrêmement techniques à l'intérieur d'une gare. Comment, avec un matériau, cette brique, je peux le dérouler et j'arrive à résoudre à peu près tous les sujets dont j'ai besoin. Et alors, ce qui est intéressant sur ce qu'on a regardé, c'est que finalement, à l'échelle de la façade, ce qu'on vient de voir, c'est que plus on l'épaissit, plus il y a d'usage, plus il y a de choses passionnantes qui se passent à l'intérieur. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'à l'échelle d'un bâtiment, c'est la même chose. Si vous arrivez à établir cette profondeur, et si vous arrivez à un moment à établir ces espaces intermédiaires, eh bien, vous arrivez à créer des éléments qui sont au-delà de l'architecture, qui sont presque des espaces de vie. Ce qui nous amène naturellement au dernier thème. Lisière, qu'est-ce qu'on entend par lisière ? Alors pour nous, lisière, c'est... Enfin, pour nous, en écologie, la lisière, c'est l'écotone, c'est-à-dire que c'est une zone de transition dans laquelle se mélangent deux milieux. Et donc c'est des zones qui, en général, sont très riches parce qu'elles cumulent la population d'un milieu et de l'autre. C'est par exemple une bordure une lisière de forêt, par exemple, entre deux milieux. C'est par exemple des endroits au bord des fleuves qui sont humides, des zones humides en bordure de... Et du coup, c'est des endroits qui font émerger, qui sont très riches, et qui font émerger souvent des utilisations un peu différentes. Je parle toujours en écologie. Et nous, on s'est dit, comment trouver l'écotone de chaque projet ? Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait ? Et comment est-ce qu'on peut travailler l'espace de manière à ce qu'on puisse augmenter la programmation ? On a souvent eu le sentiment qu'à chaque fois qu'on travaille sur des bâtiments de logement ou des écoles, il y a des endroits où on a le droit de faire ça, des endroits où on n'a pas le droit de faire ça, et que finalement, tout est très normé, les espaces sont très normés, et on a souvent la volonté, en tout cas le réflexe, d'essayer de redonner des libertés dans les parcours, de redonner des libertés dans les usages, de redonner des libertés dans les appropriations des espaces, de manière aussi à ce que les habitants soient responsables de leur bâtiment, le comprennent, sachent comment il marche, puissent intervenir dessus. Et on est souvent dans dans une période où on a l'impression que l'usager, à chaque fois, a son champ de responsabilité réduit et d'utilisation réduit. Et c'est pas comme ça qu'on aime beaucoup un lieu, je pense qu'on... Voilà. Et donc on a cherché
comme ça, dans plusieurs de nos projets, à trouver ce programme en plus, à faire émerger un fonctionnement, une utilisation, quelque chose qui permette d'augmenter un programme. Alors, dans le bâtiment des Lilas, ça, c'est un des plus emblématiques de cette thématique, puisqu'on a un foyer de jeunes travailleurs de 250 studios, et il y a jeunes travailleurs et migrants. Donc, déjà, il y a deux foyers. Et ce foyer-là, en fait, accueille beaucoup de programmes communs, une cuisine collective, une salle de sport, une laverie, etc. Et l'idée qu'on a eue, c'est de mettre tout à un seul étage, de manière justement à créer cette rupture. Bon, déjà, architecturalement, ça permet de dédensifier le bâtiment qui a un COS au-delà de 5, donc c'est vraiment très, très dense pour la parcelle. Mais aussi, ça permettait de créer cette rupture dans le bâtiment en termes de fonctionnement, alors qu'on a des studios qui sont très rationnellement alignés dans les circulations. Tout d'un coup, on a un étage qui devient un étage vivant, un peu comme un étage collectif, on est comme un mini espace public, même si c'est pas public, dans lequel les gens se retrouvent et dans lequel ils peuvent avoir des activités communes. Pourquoi ? Comment est-ce que ça marche ? Alors, l'idée, c'est de le mettre évidemment au troisième étage parce que ça permet de scinder le bâtiment en deux et de jamais être trop loin. Et ces espaces-là, c'est d'ailleurs le seul endroit du bâtiment où il y a des espaces extérieurs. Il est très transparent. C'est un système de boîtes qui se décale un peu libre, avec des parcours un peu libres, justement, où on peut aller librement. On a travaillé des matériaux qui sont en continuité intérieure-extérieure pour faire disparaître au maximum les parois verticales et donner l'impression d'une fluidité intérieure-extérieure le plus possible. Et pour que un espace comme ça fonctionne, il faut qu'il soit facilement accessible et généreusement. Et donc, on a travaillé beaucoup les circulations verticales, les escaliers, de manière à ce qu'il soit généreux, mais lumineux, avec des fenêtres, des châssis de fenêtres qui sont les mêmes que ceux des studios, d'ailleurs, et au détriment des ascenseurs, et que, du coup, le bâtiment puisse vivre un peu comme une petite machine habitée avec un certain nombre de résidents qui passent leur temps à monter et à descendre et à fréquenter ce troisième étage. Voilà ce qu'on trouve au troisième étage. On est pratiquement dans un square, hein, en fait, alors qu'on est, en face, en Belvédère, sur Paris. Et on a travaillé avec un photographe, parce qu'on aime bien revenir... Alors, nous, on ne peut pas toujours revenir sur les lieux du chantier, mais on a travaillé sur ce sujet-là parce que ça nous intéressait vraiment de comprendre... c'était un de nos premiers bâtiments d'une certaine échelle. Oui, j'ai oublié de citer Avenue Cornero, qui sont nos copains et qui sont peut-être là, en plus, avec qui on a fait ce bâtiment. Et avec qui c'était vraiment une très belle collaboration, d'ailleurs. Du coup, on a travaillé avec un photographe qui s'appelle Mir Muraté, à qui on a demandé, une fois qu'on a quitté le chantier, nous, d'habiter le bâtiment, de prendre une piole, d'installer son matériel et de nous raconter de l'intérieur comment le bâtiment prenait vie, comment les gens s'installaient, l'utilisation des lieux. Est-ce que ce qu'on avait, nous, imaginé, eh bien, notre dessin était prolongé, ou est-ce qu'au contraire, il y avait des détournements dans ce qu'on proposait comme aménagement, ce qu'on proposait comme architecture. Et c'était vraiment très, très intéressant, du coup, de voir l'occupation. On s'est même rendu compte qu'ils faisaient la fête des voisins. Du coup, ils font des fêtes tout le temps, ils ont un Facebook, etc. Enfin, il y a une espèce de sociabilité qui s'est installée dans ce bâtiment. Est-ce que c'est grâce au R+3 ? C'est très possible. Voilà, tout est envisageable, avec donc des espaces de travail comme ça qui sont très conviviaux. On est sur la terrasse du cinéma Étoile, réalisé par nos amis Ardel Le Billan. Donc encore un espèce de champ contre champ. On s'est calé exactement topographiquement sur la même altimétrie qu'eux. Et ça permet... Aussi, cette vue, elle montre bien ce nouveau niveau de rue, d'habitation que l'on recréait, d'urbanité, ouais, à travers le périphérique qu'on aperçoit, qu'on pressent en contrebas, cette rue, enfin l'espace public, et puis cet espace-là qui donc est devenu un espace social, un peu comme une rue en lévitation. Enchaînement. Je voudrais juste dire que ce qu'il y a sur le toit, ce n'est pas des antennes téléphoniques, c'est des éoliennes urbaines qui nous ont permis d'atteindre le plan climat 21, puisque la surface de toiture est très réduite à cause des retraits dans les deux derniers étages. Et donc, du coup, c'est des éoliennes qui produisent l'équivalent de la consommation de 7 familles par an, à peu près. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est les premières éoliennes urbaines à Paris. Dans une autre mesure,
augmenté la programmation, on l'a construit autour d'une autre histoire dans cette école. C'est l'école d'Ivry, avec une résidence étudiante qu'on voit au fond ici. Et en fait, une école, c'est quoi au départ? C'est du programme au rez-de-chaussée pratiquement. Disons que quand on a mis bout à bout tous les éléments de programme qu'il fallait mettre au rez-de-chaussée, ça faisait un bâtiment qui était tellement étiré qu'on se retrouvait avec presque 3000 ou 3500 m² de toiture apparemment stérile. En tout cas, il n'y avait aucune prescription sur ces toitures. Et c'est aussi ça qu'on aime bien chercher aussi dans les programmes, et ça marche bien dans les concours souvent, c'est tout ce qui n'est pas dit dans un programme et tout ce qui est en fait une conséquence de choses qui sont voulues par un programmateur, par des usagers, des gens qui vont utiliser ces espaces, mais qui n'ont pas pris la mesure des conséquences. Et du coup, on s'est dit, mais c'est 3500 m² de toiture, hein, il faut en faire quelque chose. Et si on en faisait une grande topographie en faisant juste trois choses, en la plantant, en mettant 40 cm de terre partout, en faisant que ces espaces soient sécurisés avec des garde-corps et en faisant qu'ils soient tous accessibles. Et en trouvant une petite astuce pour qu'il soit entretenu par les espaces verts de la ville, et ben on a tout d'un coup, on dégage une manne foncière pratiquement de 3500 m² sur le toit d'une école. Si le directeur de l'école a envie de l'utiliser, et bien tout est fait pour. Si jamais c'est pas son truc, la main verte et tout, c'est quand même entretenu et c'est un espace qui fonctionne et qui agrémente énormément les salles de classe. On voit d'ailleurs ici que les salles de classe donnent directement sur ces espaces verts. C'est comme, encore une fois, c'est comme si on avait recréé un nouveau sol. Là, on est au premier étage. On en a encore un au deuxième étage. Et ce qu'on voit aussi sur cette image, et qu'on verra peut-être mieux sur les autres, c'est ce dont parlait Frédéric tout à l'heure, avec, parce que le bâtiment... on voit plus le jardin. Comment est-ce qu'un autre programme émerge, qui n'était pas prévu non plus au départ? C'est un problème... programme pédagogique qui vient à la rencontre du jardin et à la rencontre des salles de classe. Les différents sols, le toit, le jardin pédagogique, la cour de récréation, avec en fait il y a deux cours de récréation et du coup tous les espaces sont largement vitrés de haut en bas, et c'est pour ça qu'on a travaillé, et que du coup on a toutes les orientations aussi sur ce bâtiment, on a travaillé sur cette pergola qui ceinture tous les espaces pédagogiques et qui viennent accueillir la végétation qui à terme recouvrira tout et créera une vraie de l'ombrage sur les salles de classe. Et puis la résidence étudiante avec encore une fois les différentes... Que vous avez montré un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, utiliser la surface disponible sur la toiture d'une école, parce que toutes les écoles en France, vous pouvez faire une école, c'est R+2, donc c'est beaucoup de surface de toiture. Alors vous pouvez faire une très très belle toiture comme on l'a fait à Lille, mais finalement ce qu'on a trouvé... vraiment intéressant là-dessus, c'est d'en faire des espaces directement accessibles depuis les salles de classe, déclarés ou non, parce qu'on ne déclare pas tous les effectifs, on donne la possibilité d'ouvrir la fenêtre et d'y aller. Et bien rien que ça, vous redonnez une liberté, une permissivité d'usage dans un système aujourd'hui de construction très normé qui fonctionne, et notamment dans la petite serre que vous a montré tout à l'heure Pascal. Un bâtiment, enfin un projet qu'on vient de livrer il y a quelques temps et qui finalement change complètement de contexte, mais est assez proche de cette question aussi d'entre-deux de lisière dont on vous parle, c'est le réaménagement du pôle design de Renault au Technocentre. C'est le lieu du design, donc c'est le lieu où les designers automobiles sont présents, c'est le lieu où vous avez des modeleurs, c'est le lieu où vous avez toute une catégorie différente de personnes qui travaillent, entre ceux qui font les maquettes, ceux qui dessinent les voitures, et donc voilà, avec une espèce de juxtaposition de personnes. Quand on est arrivé là-dedans pour le réhabiliter, c'est un bâtiment des années 96, en tout cas cette partie-là de Chaix et Morel, le technocentre c'est Vallaud des Pistres, mais la partie du design c'était Chaix et Morel, un bâtiment industriel assez élégant, assez flexible d'ailleurs. Tout était cloisonné, tout était absolument cloisonné. Et du coup, la question qu'il a fallu se poser, c'est comment est-ce qu'on réouvre le design et comment est-ce qu'on gère quand même l'intimité. L'intimité, puisque vous êtes quand même dans un endroit avec une grande force de confidentialité. On ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Quand on va se promener au design, et bien c'est très très précis. On fait attention à ne pas regarder à gauche, à droite. Et en même temps, comment est-ce qu'on assure qu'il y ait une discussion entre les ingénieurs, entre les designers et
les gens qui modèlent les voitures une vision sans avoir cette impression de voir et d'être vu. Donc on a travaillé un petit peu sur un concept qui est proche de ce concept de lisière, qui est ce concept de confidentialité active au travers de cette circulation. C'est-à-dire qu'on a réalisé une grande boucle tout autour de l'atelier, ici, une grande boucle qui va s'épaissir, se devenir plus petite et qui va intégrer du coup pas mal d'espace, d'échange entre les parties hautes. Donc là, vous êtes dans l'atelier, vous êtes là où on sculpte les maquettes des voitures. Derrière, vous avez les studios des designers et vous avez quelques accidents comme ça de la forme assez simple du bâtiment qui viennent générer des grandes salles de réunion, qui viennent générer à la fois des grandes salles de réunion sur le côté et qui sont comme ça une interface entre l'atelier et les parties dans lesquelles on travaille. Voilà, donc là, on a recréé toute cette façade ici avec des systèmes très simples de couleurs qui sont les codes couleurs de chez Renault qui permettent d'adresser visuellement chacune des parties et de venir recréer des transitions, des espaces d'interface, vraiment des espaces qui sont ni des espaces de travail ni des espaces complètement domestiques, mais qui sont des lieux, par exemple là c'est le champ contre champ avec la vue d'avant, qui sont juste des lieux dans lesquels on va travailler différemment, essayer d'avoir des discussions un peu différentes, de pouvoir justement travailler le filtre, travailler toujours la sérigraphie du verre, l'épaississement de la circulation, et notamment au travers d'une bibliothèque, comme un élément architectural, encore une fois. Au début, on avait prévu, pour assurer cette confidentialité, de travailler sur des filtres. Et puis, petit à petit, ce filtre, on l'a épaissi. Et ça, c'est un meuble qu'on a dessiné encore avec le studio Joran Briand, en se disant que finalement, en épaississant une paroi, on va rapporter des usages à l'intérieur, un lieu où on va pouvoir poser des éléments, en faire un élément qui soit à la fois un filtre acoustique, un filtre visuel, et aussi des éléments dans lesquels on va pouvoir faire des expositions. On peut s'asseoir sur certains endroits. Enfin voilà, un projet qui est finalement assez aussi porté sur cette histoire d'interface entre différents espaces et sur comment est-ce que dans cette interface on peut vivre et travailler autrement. Un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment, et d'ailleurs Francis là, en a parlé tout à l'heure avec le projet sur lequel on dira deux mots tout à l'heure, mais c'est la question de la réinterprétation du travail sur l'existant. C'est quelque chose qui est assez récent pour nous, d'il y a quelques années, puisqu'on avait beaucoup travaillé sur des bâtiments neufs. C'est la manière dont on va pouvoir retravailler sur un existant qu'on pourrait appeler, en tout cas, c'est en guise de conclusion que je vous donne ce thème-là, en plus de ces quatre thèmes qu'on a développés, qui pourraient s'appeler métamorphose. On cherche encore juste un exemple d'un lieu, c'est la caserne Lourcine dans le 13e arrondissement qu'on est en train de réhabiliter. Donc c'est une caserne qu'on vient remodeler en université. Donc finalement, la métamorphose pour nous, c'est un peu une méthode, c'est-à-dire de vider le bâtiment, de venir le curer complètement et d'envisager le bâtiment existant non pas comme un objet inerte mais comme un possible, et pas comme un objet inerte qu'on viendrait encapsuler mais comme un possible qu'on viendrait peut-être couche après couche retravailler et dont on conserverait la puissance évocatrice. Et donc on a vraiment essayé de travailler avec ces voûtins, avec cet espace, en simplement on essaye de mettre juste des petites choses à certains endroits qui viennent révéler, qui viennent apporter le minimum de confort, mais de garder la puissance historique évocatrice, pourquoi pas même les anciens usages à l'intérieur de ces bâtiments. Donc voilà, on avait des lieux comme ça, et très simplement, en venant, juste gratter un endroit, réinstaller quelques systèmes de luminaires, des choses apparentes, révéler un lieu. Voilà, quelques images sur de collage sur ces projets. Sur la caserne Lourcine, c'est aussi l'idée que, alors c'est pas ce qu'on arrive à faire là, mais que, parce que du coup on utilise le bâtiment, une fois qu'on l'a curé, on a regardé un peu les espaces, etc., on utilise le bâtiment et ses espaces tels qu'ils sont pour faire rentrer un programme qu'on vous a demandé de mettre. Mais ça, c'est aussi peut-être l'idée d'une future réflexion qu'on aimerait bien pouvoir mener un jour, en tout cas, sur comment est-ce qu'à un moment, on pourrait passer directement des usages à l'espace, des usages à l'architecture, sans forcément passer par la case programme qui parfois
écrète un peu les ambitions d'un projet, parfois dénature certaines volontés des utilisateurs ou des usagers. Et du coup, parfois, il y aurait peut-être certains... Et peut-être que, du coup, la réhabilitation, la métamorphose d'un bâtiment est vraiment une situation qui, en première intention, peut être assez intéressante à étudier, en utilisant vraiment des coques, et même, pourquoi pas, révéler certains usages anciens pour venir y mettre directement de l'espace, de l'utilisation. Et donc voilà, c'est un petit degré de liberté. En conclusion, et Francis en a parlé, je vois qu'il y a Franklin dans la salle. C'est vrai que la métamorphose, c'est aussi un sujet qui nous tient un petit peu à cœur ce soir, puisque c'est aussi la métamorphose, un travail collectif. Donc on a beaucoup fait d'aventures collectives, et il y a une grande aventure collective là qui est en cours avec la nouvelle AOM, avec les agences Ardèle Le Bihan et Franklin Asie, sur justement cette tour Montparnasse et la manière dont on a essayé de la révéler et justement d'avoir ce processus. Voilà. Donc on en saura un petit peu plus demain et on espère pouvoir vous le montrer ensemble assez rapidement. Voilà, merci.